Bonjour à tous, je suis ici entre Siné et Dinan pour régler un problème de chenille processionnaire. Je vais vous montrer. On voit très bien le cocon de soie qui est fixé sur le tronc d'un chêne. Puisque ici il s'agit de la chenille processionnaire du chêne. Et il y en a deux, la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin. Et ici dans nos régions, c'est plutôt celle du chêne, il y en a beaucoup plus. Donc surtout, n'allez pas autour de ça vous-même. Ces poils sont très 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 urticants. C'est très dangereux pour l'homme et les animaux domestiques. Faites appel à un professionnel. Par contre, pas la peine de paniquer si vous voyez des chenilles sur un autre arbre, il n'y a pas de problème. C'est uniquement la chenille processionnaire du chêne. Ça ne sert à rien de l'asperger de quelques produits que ce soit. Le seul moyen pour s'en débarrasser est de l'enlever mécaniquement. Donc soit l'aspirer, soit les brûler. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, faites appel à un pro. Prenez pas de risques. Mon numéro à 4 problèmes, 0471-37-24-84, en Henri-Pierre, destruction nuisible. Ici, il y a plusieurs chaînes. J'en ai encore découvert sur un autre arbre. Donc si vous avez des chênes sur votre propriété, c'est le moment de les inspecter. Bien regarder. Et si vous découvrez ceci, vous faites appel. Bonne journée.